Bonjour mes petits enfants, on va faire un rappel de l'épisode numéro 3 et après on passe à l'épisode 4. Mona s'est disputée avec Charlotte. Elle voulait prendre la baguette magique de Mona et sans le faire exprès, elle a transformé Charlotte en chenille. Par la suite, la maîtresse est arrivée et elle a pris la baguette magique de Mona. Et elle l'a mis dans sa poche. Passons à l'observation de l'illustration de l'épisode suivant. Le titre de l'histoire, c'est Magie à l'école, épisode 4. Les personnages de l'histoire sont Mona, Paco, la maîtresse, les enfants, et la chenille. Ils sont toujours en classe. La maîtresse est au tableau. Elle fait lire des mots à Paco. Sur le tableau, la maîtresse a écrit salami, glace, soleil, soupe, semoule, sucette, citron. Dans la classe, je vois deux pupitres vides. Il manque deux élèves. Et sur les chaussures de Samir, je vois une chenille verte. Magie à l'école, épisode 4. La maîtresse écrit au tableau. Paco lit les mots salami, soupe, semoule. La maîtresse ajoute soleil, sucette, glace, citron. Tout à coup, elle dit, un peu surprise, tiens, Charlotte est absente. Mais Charlotte est bien là. Elle est en train de grimper sur la chaussure de Samir. Le garçon bafouille. Au secours! Là, là, sur mes chaussettes! Paco rit. C'est une souris ou une mouche? Une chenille! Répond Samir. Moi, je vais l'écraser! Dit Noé en se levant. Mona est paniquée. Il ne faut surtout pas que Noé écrase la chenille. Elle sort de son sac un savon et le pose sur le sol. Noé glisse dessus et tombe. La maîtresse remarque l'absence de Charlotte, mais Charlotte n'est pas absente. Mona l'a transformée en chenille et elle est bien là. Elle est en train de grimper sur les chaussures de Samir. Samir appelle au secours parce qu'il a peur de la chenille. Paco lui dit que c'est une souris ou une mouche. Samir répond que c'est une chenille. Noé propose de l'écraser. Mais Mona ne veut pas que Noé écrase la chenille. Elle sort un savon de son sac et le pose sur le sol. Noé n'a pas vu qu'il y avait du savon par terre. Il a glissé et il est tombé.